Salutations YouTube. Petit jeu d'énigmes. The Case of the Golden Idol. On se lance là-dessus. Est-ce que vous êtes prêts à chauffer vos neurones? On est parti. Alors le jeu est entièrement en anglais. Je vais devoir faire la traduction. Alors. Avec les images d'importance, sélectionnez si vous n'aimez pas les pixels, la chasse aux pixels. Très bien. Faisons ça. Prologue. Une abrupte terminaison de contrat. En effet. Du coup, c'est un jeu en pixel art. Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? Une pochette à tabac et un truc pour nettoyer une pipe. Très bien. Ensuite, deux sacs remplis de pièces et de gemmes. Là, un sac rempli d'instruments médicaux et de médicaments. Une statue en or avec une pierre rouge et un sac rempli de pièces et de gemmes. Très bien. On a déjà ça. Monsieur, je savais ce que tu étais en train de faire, serpent. Une pipe. Pipe, pipe, pipe. Janvier 5, 1742. Les deux parties se mettent d'accord sur ces termes pour l'expédition de la patte de singe, l'île de la patte de singe. Albert Crowley a les droits sur les deux tiers de tout ce qui est de toute chose trouvée de valeur pendant l'expédition. Oberon Geller a les droits sur un tiers et tout ce qu'il trouve de tout ce qu'il trouvera, ainsi que n'importe quelle statue dorée qu'il pourrait trouver, pour avoir apporté la carte du site de l'expédition. Docteur Oberon Geller et l'escrimeur Albert Crowley. C'est pas du tout ce que ça veut dire. Très bien. Il a une dague. Ensuite, toi. Ah ! Un scalpel. Du coup, c'est le médecin. Je présume. Médecin Oberon Geller. Oh ! Qu'est-ce donc ? Sur quoi ai-je cliqué? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est très déconcertant. La corne du doigt. Les ruines de Xénopolis. La pointe du pouce. La baie des ombres. Ok. Du coup, on a trouvé tous les mots a priori. Très bien. Thinking. Ok, c'est là que les choses deviennent intéressantes. Du coup, lui, c'est Oberon Geller. On va voir. Ok. On a bien trouvé les deux. Du coup, c'est lui. Albert Cloudsley a poussé Oberon Geller d'une falaise dans le camp. On voit deux îles au bout. Il serait là. La pointe du pouce. Exact. Du coup, la falaise de la pointe du pouce de l'île de la main de singe. Réussi. Le parchemin a été rempli. Pas d'indice accédé. Pendant que le docteur Oberon Geller était en train de surveiller la mauvaise météo avec sa longue vue, son partenaire d'expédition Albert Cloudsley, Esquire, l'a soudain poussé de la falaise. Très bien. Du coup, on a fini. Qu'est-ce que c'est? Ok. On a fini ceci. On va passer au chapitre 2. Chapitre 1. Des complications de la famille. Untimely? Untimely? Le temps qui ne passe pas d'un gentleman rural. Très bien. Sympa. Statue dorée. Un canasson. Un cheval
court dans le jardin. Un bateau qui flotte lentement sur la rivière, sur le fleuve. Cet indice a été ajouté au panel de pensée. Woodshire, Krautoller, Blackfield. Alors je pense que c'est très important de tout prendre. Tout prendre en note. Ok. Cet indice a été ajouté au Thinking Panel. Donc j'imagine que c'est ça le Thinking Panel. Combustion spontanée. Moi, Sébastien Clausley, ou sûrement un proche de l'autre, partagerai mon humble contribution à la science anatomique et à la chimie. Très bien. 22 août 1786, 12h, je me suis levé. Quelle magnifique journée. C'est un streamer. C'est l'heure midi. Midi et demi, washed. Lavé et habillé de mes vêtements de bouffe. 14h. J'ai eu un magnifique canard rôti pour le dîner. Enfin, pour le déjeuner. 16h. Je me suis changé dans mes vêtements de chasse. 17h. J'ai chassé un blaireau. Mais je n'avais pas de chance aujourd'hui et je suis retourné à la maison. 18h. Je me suis changé dans mes vêtements de recherche. 19h. J'ai remis mes vêtements de bouffe. 20h. J'ai eu un super bon steak de bœuf pour le dîner. 22h30, j'ai rempli mon journal et je suis parti me coucher pour continuer ma lecture pour mes recherches. Très bien. Ok. On est le 23. Du coup, ça c'était hier. L'échelle. Une grande inquiétante échelle, dans le sens pas très praticable. Henry Clover. Empoisonnement au plomb. Dead. Cet homme ne respire pas. Sa tête est méchamment blessée. Un anneau avec un rubis. Très bien. C'est pas évident de traduire le plus vite possible. Bon exercice. Ok. Du coup, lui, c'est Sébastien Clausley. Très bien. Ça, c'est sa tenue de bouffe. Ça, c'est sa tenue de recherche ou de peinture. Et ça, ça a l'air pas d'être une tenue pour dormir. Très bien, tenue de chasse. Alors, Sébastien Clausley, seigneur de quoi? Blackfield? Parce qu'il y a la rivière? J'imagine. Est mort dans son lit. Les causes de la mort sont... Ok. Donc. Blessure à la tête. J'imagine. Qui s'est passé pendant qu'il était tombé... Sa tenue de chasse. Et il y a un cheval qui court. Il manque des choses? Ah non. Est-ce que c'est le chasse? Enfin, est-ce que c'est le cheval? Oui. Le parchemin a été rempli. Pas d'indice accédé. Pendant que le seigneur de Blackfield était en train de chasser, son cheval l'a éjecté et il a souffert d'une mortelle blessure à la tête. Très bien. Mortelle blessure à la tête. À dessiner. Sublime, lui. Lui aussi. Sébastien Clausley. 1733-1786. Très bien. Ah bah c'était le mec. Chapitre 1. Les complications de la famille. Le dramatique départ
d'un mec qui vient de dehors. D'un outsider. Très bien, il y a des tronches ici. Qu'est-ce qu'il veut ? Épargnez-moi, démon ! J'étais simplement en train de suivre les ordres. Les ordres. L'homme singe étonnant. Propriété de Pêche Brothers. Les frères Pêche. Un petit couteau avec un A dessus. J'imagine que son nom commence par un A. Lui, il brûle. Hein. Il brûle bien. Ok, une brosse à cheval cramée. Un J. Un couteau cramé. Quittez-toi. Ah, les flammes! Juillet. Le derby du club des jockeys. Course, gang, place. Ok. Du coup, lui, sur la troisième course, c'est Raging Sultan qui a gagné. Et il avait déposé 35 pounds. Très bien. Maintenant, si c'est pareil pour toi, je me casse. Ok. Alors, combustion spontanée. Pour pratiquer une combustion, un tour de combustion, vous devez d'abord projeter un sort de gel. Les glyphes sacrés pour la combustion sur l'idole sont perche, rond et machin. Ok, il y a un anneau. Il a 1 pound, 2 shilling et 2 pence. Et du coup, là, il a fait le cramage. Petit bâtard. Toi. Intéressant. H. Blair. Le meilleur de tous les tabacs. Alors, préparez le chariot pour demain. Nous allons visiter mon neveu. EC. Ok. 2 shilling et 1 penny. Une dague. Alors, les tables. Rotation pour Adam et James. Du coup, j'imagine que c'est eux, avec les couteaux. En plus, c'est Adam et lui, c'est James. Ok. Très bien. Très bien, très bien, très bien, très bien. Et faites-le proprement, bande de trous du cul. Quel changement inattendu d'événement. Du coup, lui, c'est EC. Un mouchoir embrodé. Cher Edmond. Il est venu à mon attention que vous étiez à la recherche d'un servant, d'un nouveau servant capable. J'ai l'homme pour vous, pour vous. L'homme pour vous, pour vous. David Goran. C'est un cocher expérimenté. Avec un divers panel de talents que je suis sûr que vous avez trouvé utile. Si vous êtes... si vous êtes déplaît par ces services, n'hésitez pas à me le faire connaître. À vous, Théo. Très bien. Goran. Qui est Goran? Le gazetier de Londres. Lord Edmund Cloudesley. Discours. Touille le Parlement. Ok. Le 7 septembre 1786. Qu'est-ce donc? Quel joli dinosaure. On peut entrer. Oula. Et gros lord. Ok, les Pierre Twins. Est-ce que je peux... Genre eux là. Lui c'est Adam. Pierre? Du coup c'est lui? Ok, et lui c'est James Pierre. Ok. Non? Pourquoi encore? Pierre Twins. Bately. Cloudesley. Ok, attends. Mais... Attends. Ok. Bately. Cloudesley. Kubert. Du coup, on n'est pas chez les Cloudesley. Et lui, c'est Edmund Cloudesley. Ok. T'es qui, toi? Mes excuses. Oh, pardon. Mes excuses.
Il peut être si embêtant parfois. 6 anneaux avec une variété de pierres. 4 pounds. Shamal Bat. Simasana Bat ici. Ok. Un éventail. Une dague. Un katar. Une lame katar. Ornementée. Mais quittée. Je n'aurais pas pensé que un membre de votre famille traiterait ce document légal de cette manière. Je suis choqué. Un anneau avec un rubis. Mais c'est l'anneau. C'est l'anneau que l'autre avait, non? 2 chings, 3 pence. Ok. Lecture des dernières volontés et testament de Sébastien Clausely. Septembre 7, 1786. Albert Clausely, Marie Clausely, Edmond Clausely, le plus vieux, c'est le mec qui est dehors là. Rose Kubert, j'imagine que c'est elle. Sébastien Clausely, celui qui fait le testament. Béatrix Bethley, Peter Bethley, Willard Wright, associé. Associé de qui? 4 héritiers, tous présents. Ok, donc lui, c'est, il est marié à Béatrix Bethley. Peter Bethley. Est-ce que c'est lui? C'est pas clair. Nicolas Maker. Avocat. L'euphorisme par Sébastien Clausely. Comment être heureux? Manger un repas qui tient au corps tous les jours. Et ne perdez pas votre temps avec des trivialités. Comment éviter d'être mécontent? C'est dur de traduire. Persister avec ce qui a de l'importance. Et ne vous reculez pas devant les responsabilités. Comment être inspiré? Faites une promenade dans la forêt et respirez l'air frais. Comment éviter d'être effrayé? Ressentir de la peur et de la faiblesse. Sois fort à la place. Ok. Toxique. Cher Willard Wright. Rose Kubert. Ok. Ça a été rajouté. Je donne à vous l'or. Vous savez quoi faire avec l'idole de Xenopolis. Nous nous sommes rencontrés si rarement après que vous soyez parti. Toutefois, je vous donne l'homme de Blackfield, Manor House, un musée. Ah, attends. On ne s'est vu depuis si longtemps depuis que vous êtes parti pour les colonies. Toutefois, je vous donne. Mes économies, mes terres, ainsi que ma maison au Blackfield. Venez à la maison et établissez un musée de ma vie et de mes accomplissements. Très bien. Je veux que vous utilisiez votre esprit affûté à un meilleur usage que de la politique. Toutefois, je vous donne mes recherches ainsi que mes notes sur tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai pu entreprendre sur l'astronomie. Je vous donne à vous de finir et publier toutes mes recherches sous nos noms. Très bien. Ma sœur morte, votre mère. Des troubles financiers. Oula. Attends. Où est-ce que ça se claque? To Minung and. Ok, je veux vous aider. Je vous donne une compilation de mes aphorismes pour vous donner la direction dans la vie. Dans laquelle vous manquez cruellement. Ouf! Son vieux livre pourri, là. Moi, Sébastien Clausely,
de la région de Blackfield, que j'étais en très bonne santé et disposant d'un esprit et d'une mémoire. Ok. Je nomme et mes responsables Nicolas Meyer, un exécutant de mes dernières volontés et de mon testament. Cher frère. Très bien. La suite. Du coup, pour ce 6, Spinning Jenny, 50 pounds, très bien. Cher Peter Bentley, nous avons envoyé des fréquentes rappels concernant votre tente, vos dettes. Et toutefois, à cette date, les dettes restent impayées. Nous vous joignons humblement que vous fassiez vos paiements le plus vite possible, ou nous serons forcés de prendre les choses en main. La dette s'estime courant maintenant à 255 pounds. Blackguard and Bucklone. Très bien. Est-ce qu'on a tout vu? Il semblerait qu'on ait tout vu. Du coup, elle, c'est Rose. Rose Kubert. Et lui, j'ai envie de croire que c'est Peter Bentley. Par contre, on sait pas encore. Ça, c'est adressé à Rose Kubert, sa seule femme. Oh, non? Attends. Ah oui! Non, c'est parce que elle est partie dans les colonies. Alors, je veux que vous utilisez votre meilleure explication. C'était pas pour lui. Ça, c'est son livre de merde. Ah non. Non, attends, le livre de merde, c'est pour qui? C'est ça. Attends. Non. Qui a toutes les infos? Attends, c'est lui qui a ça. Du coup, toi. Non. Ok. Donc lui, c'est le connard qui a tout perdu aux courses. HBR. On s'en fout. Ok. Ah non, c'est lui Peter Bentley? Bentley. Ok, donc hop. Non. Ok, je ne peux pas, je sais pas pourquoi. Lui, c'est Nicolas Maker, j'imagine. Il manque Willard White et David Goran. Du coup, Peter Bentley. Je me suis trompé. Hop. Très bien. C'est lui qui a l'idole dorée. On sait pas qui c'est. On saura quoi faire avec. Qui est ce mec? To use. Que la politique. Willard Wright, c'est qui?
C'est un associé. C'est un associé. Est-ce qu'il aurait eu ça? Et l'autre, lui là, aurait eu ça. Ok. Ça c'est bon. On sait qui est quoi. Du coup... Est-ce que lui c'est Willard Wright? Ça c'est David Goran. Très bien. Ah, c'est lui, James Spear. Il est mort de combustion spontanée. Étrange. Mmh. On a Sébastien tout seul. Ok. Attends. Donc ça c'est Sébastien Cloudsley, Will and Order, Nicolas Maker. Pas clair. Aphorisme. On a tout ça. Est-ce qu'on a cliqué sur tout ce qu'on pouvait? Il semblerait que oui. Très bien. Du coup, ça, je pense que on s'en fout. Take the idol, j'imagine. From Willard Wright. Ah non. Oula. Attends. Okay. Donc c'est lui David Goran. Lui c'est l'associé qui tue des gens. Ok. Qui est-ce qui a reçu le forisme? C'est Peter Beckley. Peter Beckley a été mécontent de recevoir l'aphorisme dans les dans le testament de Sébastien Cloudsley et a ordonné à Nicolas Maker non. Attends. Qui est-ce qui a des couteaux? Ah mais c'est les deux crétins, non? Et lui il fait que de se défense se défendre. Et du coup il a cramé. Pas du tout. Alors deux au moins sont incorrects. Peter Beckley. C'est bien lui pourtant. Qu'est-ce qu'il dit? Quelle flamme! Très bien. Ok. Donc ça... C'est très bien. Ok. Donc c'est bien l'aphorisme. Est-ce que c'est pas David Goran, on va dire? Boum. Donc non, c'est bien Peter Beckley. Willard Wright? Pourtant c'est lui qui l'a. Non, ce sera débile. Ok. Bien, Willard Wright.
Putain, oui, c'est de l'anglais. Le parchemin a été rempli. Pas d'indice. Accéder. Peter Bakely, encombré par ses dettes de jeu, avait placé grand espoir dans le testament de son oncle. À la découverte de son héritage, rien qu'un livre sur l'euphorisme, il a déchiré le testament et ordonné à ses servants de prendre l'idole sacrée de cet étranger de Willard. Soudain, l'un des servants est parti en braise. Très bien. On a fini le premier chapitre. Bien, c'est très très fun. Du coup, on fera l'épisode 2. Plutôt le chapitre 2. Dans la prochaine VOD YouTube. Ciao. Quel mystère rôde autour de cette idole dorée.